Je suis un héros ensorcelé. Je parle aux animaux, j'adore voler. Si tu rêves aussi de ciel immense, suis-moi mon ami, saisis ta chance. Je m'appelle Nils Holgersson, viens je t'emmène à l'aventure. Nils Holgersson, à nous le monde et la nature. Nils Holgersson, que tu ailles, qui que tu sois, tu peux toujours compter sur moi, car sur le soleil on s'envole. Nils Les oies vont pouvoir dormir tranquilles cette nuit. On rentre au campement. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est un sac de provisions. Vite, pose-toi. Trop bien, des gâteaux. C'est sûrement un randonneur qui les a oubliés. Ça nous changera des baies et des vers de terre. C'est pas très gentil de voler les affaires des autres petits animaux. Pose ce sac. Bon, je propose qu'on partage ces gâteaux, ok? Comme ça, tout le monde est content. M'avait écouté, on aurait partagé les gâteaux et on ne serait pas tombé dans ce trou. Ouais, c'est ça, pouic toi-même. Je ne sais même pas si tu essaies de me parler ou si tu te fiches de moi. Moi aussi, je peux pouiquer toute la journée si je veux. Par-ci, pouic par-là, j'y comprends rien à tes pouic pouic. Quoi? T'as des copains là derrière? Oh, pardon. Rentre par où? Campement? Par là? Par là-bas? Oh, merci. Ah là là, je le savais, j'aurais dû les accompagner au lieu de faire la sieste. Non mais quel mauvais jar je fais. Martin, hein? Me voilà. Enfin, c'est pas trop tôt. Où étiez-vous, nom d'un renard? Borgo, où est passé Nils? Nils? Oui, Nils, mon ami, notre ami. Un petit garçon avec un bonnet rouge et une petite tête de malin. Nils, oui, copain,
Voilà, les perdus. Quoi? Perdu? Comment ça perdu? Qu'est-ce que tu racontes, Gorgo? Du calme, Martin. Ne vois-tu pas que Gorgo est en état de choc? Il a dû subir un traumatisme. Tu penses que quelque chose d'affreux s'est passé? Oh non, ils ont dû tomber sur une bête féroce. Oui, bête, pouille. Une bestiole? Mais quelle bestiole? Akanil, c'est en danger. Il faut partir le chercher vite. Gorgo, te sens-tu capable de voler? Ils veulent faire la danse du ventre? Ça y est, j'ai compris, je crois. Ils sont malades. Ils ont mal au ventre. Pouic! Ah, tu veux leur donner quelque chose à manger? Faut s'accrocher pour te suivre, toi. Eh bien, si tu veux retrouver tes amis, il y a peut-être moyen d'y arriver. Alors, te souviens-tu de quelque chose? Un arbre? Un buisson? Un rocher? Si! L'arbre! Oui! Un arbre, tu dis? Quel arbre, Gorgo? Quel arbre? Hein? Celui-là. On se pose! Partenaire, c'est quand même mieux qu'adversaire, non? Oui. Oh, tranquille, tes amis sont un peu susceptibles, non? Tu t'es cogné la tête sur cet arbre. Mais avant, tu te souviens de ce qui s'est passé? Fais un effort. Concentre-toi, pense à Nils. Arbre? Oh, dis-nous ce qui te passe par la tête, nom d'un bec en bois. Gâteau? Gâteau beau. Rends-moi ça tout de suite. Pose ce sac à l'air. Gorgo, es-tu sûr que ça va? Ça me revient maintenant, chef. Nils est la bébête poilue qui a volé les gâteaux. C'était quoi comme bébête? Quel animal? Où sont-ils allés? Allons, Martin, s'il a mangé les gâteaux, c'est sûrement un rongeur. Regardons s'ils ont laissé des miettes. Elles nous mèneront peut-être jusqu'à Nils. Oh, je n'y arriverai jamais. Je n'ai pas assez de prise. Oh, Martin et Gorgo doivent être en train de me chercher partout. Il faut que je trouve un moyen d'attirer leur attention. Oh, c'est ça, de la pyrite. Avec ça, je peux faire un feu. Un feu donc, de la fumée, pour qu'ils sachent où je suis. Bon, ok, d'abord, il me faut une deuxième pyrite. Caillou? Pic. Oui! Non, le même que celui-là. Merci. Bon, à moi de jouer. Et par ici, regardez, il y a des miettes de gâteau. Nils a dû tomber dans ce trou. Nils! Ne paniquez pas, le feu est sous contrôle. J'espère que les oies vont voir la fumée. Nils! Ça sent le brûlé. C'est la bestiole! Elle allume un feu pour cuire Nils et le manger, c'est sûr! Oh. Voyons, Martin, aucune bête ne sait faire de feu! À part l'homme! Hein? Mais alors,
Pourquoi ferait-il du feu? Pour nous envoyer un message. Nils, j'arrive. Nils, Nils. Martin, te voilà enfin. Tiens bon, j'arrive, Nils. Bah, les pattes, espèce de sale bestiole. Laissez mon ami tranquille. Vous ne le mangerez pas. Non. Allez. Arrête, Pouic. Ce sont mes amis. Amis. Tu comprends? Regarde. Amis. Tu vois, tu n'as rien à craindre. Nils a raison, ce n'est pas la première fois que je rencontre cette espèce de rongeur. Ce sont des lemmings. D'habitude, ils sont solitaires, mais les humains détruisent leur habitat. Alors, ils se sont regroupés et tout comme nous, ils migrent en quête de verdure et d'un endroit où vivre tranquillement. Mais il n'y a pas la moindre verdure dans le coin. Ils ont dû se retrouver coincés ici par accident. Aidons-les à sortir de là. Et comment vas-tu t'y prendre, Nils? Crois-moi, j'ai ma petite idée. Beaucoup. Je te félicite, Nils. Tes talents de communication nous ont permis de nouer des liens avec des animaux que nous n'aurions sans doute jamais côtoyés. Et moi qui croyais qu'ils voulaient te manger. Alors que ces lemmings sont d'adorables petites bêtes, hein? C'est pour moi. Merci. Pouic, Pouic. Qu'est-ce que j'ai dit de mal? Pouic, 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 Pouic. Pouic, Pouic. Nils, mais qu'est-ce que tu leur as dit? Dis-moi, je veux savoir. Oh, ça c'est entre eux et moi. Tu peux pas comprendre. Oh, allez, Nils, dis-moi, sois sympa.